Tous les amateurs de football viendront à Drouot le samedi 28 janvier à 14h30 pour voir la vente des maillots de football de Didier Six. C'est une collection extraordinaire d'un grand joueur. Nous avons le numéro 19 qui est un maillot qu'il a porté pendant la Coupe du Monde en Espagne de 1982. Pour vous donner une idée d'estimation, autour des 3000 euros pour ce maillot mythique, le 19 de Didier Six. Le numéro 13, c'est le maillot aussi de Didier Six. Ils ont gagné donc l'Euro 84 avec ce maillot. Dans cette collection, il y a un certain nombre de maillots qui ont été échangés par Didier Six lors de matchs. Ce maillot a été échangé par Didier Six avec un joueur du Koweït, hein, le numéro 14. C'était un match anthologique, hein, puisqu'il y a eu des contestations à la fin du match concernant un but qui a été mis à la dernière minute. On a vu le Cheikh arriver sur le terrain et demander à son équipe de sortir, hein, ce qui était du jamais vu dans un match de foot. Six était devenu collectionneur et on lui a donné aussi beaucoup de maillots, notamment celui-ci d'Emmanuel Petit lors de la Coupe du Monde 98 contre l'Italie. On a un maillot exceptionnel de Vava, on a un Pelé, enfin on a beaucoup de maillots intéressants de joueurs connus. Et puis nous vendrons trois torches olympiques, celle-ci des Jeux de Londres d'été 1948. Nous en avons une autre, hein, des Jeux d'été de Pékin de 2008 et Vancouver, les Jeux d'hiver cette fois-ci, très stylisés. Nous vendrons ces trois torches en début de vente avant la collection de Didier Six.